Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 8h39. Est-ce que je vous prends alors que je suis même pas coiffée? Bah oui, bien sûr. Ça fait 1h30 que je suis réveillée. Je me suis réveillée vers 7h, un peu avant 7h. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fait mes soins, mais j'ai pas. Je me suis pas coiffée. Ouais, voilà. Donc, de toute façon, aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Je suis toujours dans l'attente de mes putains de flawless. Le suivi ne bouge absolument pas, mais parfois, avec le suivi Révolution, ça bug un peu et il passe de à. Je ne bouge pas, je suis livré. Voilà. Des fois, le facteur est devant la porte malgré qu'on n'a pas eu de notification comme quoi on allait le recevoir. Donc j'attends parce que j'ai vraiment envie de vous les tourner. Bah, déjà, j'ai vraiment envie de les tester. Et puis, j'ai envie de vous les sortir assez rapidement puisque comme c'est une édition limitée, après, vous ne pourrez pas les avoir sinon. Donc ça m'embête un peu que ça traîne comme ça, mais bon, on fera avec. Et bien sûr, j'ai commandé la Butterfly que vous arrêtez pas de me partager en me demandant si je vais la commander. Je l'ai commandée dès que j'ai vu. Voilà, voilà. Après, vous savez que les flawless, je les collectionne, même si elles me pottent pas tant que ça. Celle-là, oh, elle a l'air jolie quand même. Hein. De toute façon, elles sont toutes jolies. Donc voilà. Alors, Prout-Prout ne boite plus. En fait, il s'était fait un claquage, tout simplement, ici, en dessous de l'épaule, là. Donc à force de le masser et tout, on a réussi à remettre un peu le nerf en place. Et donc du coup, bah voilà, il va beaucoup mieux. J'ai reçu mes livres, les Héritiers d'Ankhidiev. Donc il me manque le tome 12. Puisque là, j'ai trouvé le 11 en 9 à 3 euros. Hein, je vous l'ai dit dans le dernier vlog. Encore emballé, donc vraiment neuf le bouquin. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc, une fois que j'ai mes ventes qui se sont validées, d'ailleurs ça me fait penser, j'ai deux colis à préparer là. Une fois que j'ai mes ventes qui se sont validées, du coup j'ai été voir les deux personnes qui vendaient le tome 12. Mais il y en a un qui le vendait à 10 euros et l'autre à 23 euros, en sachant que le livre 9 est entre 12 et 15 euros. Ça dépend où vous le trouvez. 23 euros pour un livre à 15 euros, ça fait un peu cher payé, plus les frais Vinted, plus les frais de port. Donc aux deux, je leur ai demandé s'ils acceptaient de me les mettre à 5 euros. Puisque j'ai trouvé tout le reste de la collection entre 3 et 4 euros les bouquins. Puisque j'ai acheté les 10 premiers pour 40 et le dernier, le 11, pour 3 euros. Ah non, ils n'ont pas voulu. Je dis à l'autre à 10 euros, je dis vous vous rendez compte que c'est le prix avec les frais Vinted et les frais de port, ça me revient au prix d'un œuf quoi. Ah non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Voilà, je les ai trouvés à 12,90 €. Voilà, si je le paye 10 euros, plus 2,88 € de frais de port déjà minimum, bah, on est déjà dans le prix, quoi. Donc voilà. Donc non, Mordicus, ils n'ont pas voulu descendre le prix. L'autre à 23 euros, il n'a même pas voulu en entendre parler, quoi. Il m'a marqué cordialement. Alors c'est un mot que je ne supporte pas. Cordialement, ça veut dire va chier, mais en version polie. Chez moi, c'est vraiment ce que ça veut dire. Donc voilà, bon après. Tant pis pour eux, hein, j'ai le temps. Je suis au tome 4, j'ai presque fini le tome 4 déjà. Je suis au tome 4 des Chevaliers d'Émeraude. Donc avant que j'arrive au 12 des Héritiers d'Ankhidiev, j'ai le temps de trouver moins cher. Et voilà, et peut-être qu'avec, je pourrais le prendre sur Amazon avec le lien d'influenceuse, vu que vous me faites déjà bien monter ma cagnotte. Donc je pourrais peut-être le prendre sur Amazon quand j'aurai assez de sous dessus. Donc voilà. Je vais pas me casser la nénette, tant pis pour eux. Maintenant, même s'ils baissent le prix, je ne le rachèterai pas, parce que ça, c'est mon esprit de contrariété qui fait que. C'est hors de question que j'achète quelque chose à quelqu'un qui n'est pas correct dans ses prix au départ. Tout simplement. Alors, mercredi, vous avez eu. Donc moi elle n'est pas encore sortie, mais vous l'avez eu, le challenge où je tire au sort l'ordre de mon make-up. Donc je tourne mes vidéos avec minimum une semaine d'avance, hein, parce qu'on va encore dire hein, elle copie, on va croire qu'elle a des idées. Non, je tourne mes vidéos avec plus d'une semaine d'avance. Et du coup ça m'a trop fait rire parce que Salomé a sorti une vidéo samedi, elle tire au hasard ses produits. Mais je crois qu'elle pioche, j'ai pas encore été voir la vidéo, je vais aller la voir après. Je crois qu'elle pioche dans un carton, soit des papiers, soit directement les produits.
Moi, je l'ai fait avec mon programme parce que voilà, j'ai voulu allier ce programme-là qui vous plaît bien quand je tire au sort les palettes. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont pris ce système-là de tirage au sort des palettes pour se maquiller, ça me fait trop rire. Et voilà, ça m'a bien fait rire. Alors, du coup, elle m'a dit ah, j'ai hâte de voir comment toi t'as fait. Oui, bah écoute, on n'a pas fait pareil, mais à mon avis, le rendu, il faut que j'aille voir. Faut vraiment que j'aille voir sa vidéo. Moi, je me suis éclatée à la faire en tout cas. Et voilà, et je voulais vous remercier aussi pour vos retours sur sous la vidéo de une abonnée choisit mon make-up parce que ça vous plaît vraiment beaucoup. J'ai plein de formulaires. Donc même parce que maintenant je vous ai mis un sondage sur Instagram, donc désolé pour ceux qui n'ont pas Insta, mais c'est plus facile pour moi de communiquer et de partager là-bas. Vous avez choisi qu'on le fasse 2 fois par mois. Donc voilà, je pense que ça sera le premier mercredi et le troisième mercredi, quelque chose comme ça. Comme le dernier mercredi du mois, c'est le challenge Disney. Donc ouais, je pense qu'on le fera le premier et le troisième mercredi. Je trouve que c'est pas mal. Et voilà, ça vous a beaucoup plu. J'ai énormément de commentaires, et de formulaires. Donc même en le faisant 2 fois par mois, j'en ai pour plus d'un an déjà. Hein, mais bon, on fera... on va s'éclater avec ça parce qu'il y en a qui ont des idées. Voilà, enfin des idées. Après, c'est clair, vous me donnez les couleurs, quelques pistes, et après, je dois imaginer comment vous l'avez pensé, et vous vous en éclatez. Voilà, je me suis vraiment éclatée à faire cette vidéo, et j'ai hâte de faire la prochaine. Et voilà, donc pour le dimanche, on a été. J'ai été chez mon frère, ça faisait plus d'un mois de nouveau que je n'avais pas été, que je n'avais pas vu les petits, il me semble, 3 semaines au minimum. Donc là, j'ai été apporter un peu les packs à ma filleule. On lui a pris une tasse Fortnite puisqu'elle est fan de Fortnite. Et chérie lui avait pris une robe et un pull. Mais en sachant que ma filleule est un peu dodue, en 12 ans, c'était juste pas possible. Donc là, il va aller les changer tout à l'heure, me racheter de l'encre parce que j'ai plus d'encre pour imprimer mes bordereaux pour Vinted. Là, je suis en train de me tâter, voir si je fais mon teint, voir si jamais le facteur m'amène les frôles pour prendre de l'avance. Pour pouvoir vous la sortir limite aujourd'hui. Sinon, au pire, je peux tourner un autre make-up. Mais bon, je sais pas. Je me tâte. Ou alors, j'attends que le facteur y passe. Et puis après, je fais vite mon teint. Et je vais vite faire la vidéo. Je sais pas. Le problème, c'est que c'est les swatchs qui vont prendre plus de temps. Que le make-up en soi. Tourner la vidéo make-up, je suis rodée. Donc, je sais dans quel ordre faire et tout ça, mais c'est vrai que les swatchs ça prend un peu plus de temps puisque je peux les faire que par 5. Après il faut nettoyer sa main, puis nettoyer son bras, et s'il y a des paillettes dans la palette, je vous raconte pas la même merde. Enfin, bref. Mais j'adore faire ces vidéos-là, donc voilà. Bref, hein. Sinon j'ai pendu ma machine depuis ce matin et j'ai fait mes soins. Voilà, c'est tout ce que j'ai foutu. Bon après, ça fait pas hyper longtemps que je suis réveillée non plus, mais bon. Voilà quoi. Bah écoutez, je ne sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui, je ne sais pas s'il va se passer quelque chose d'incroyable, là, parce qu'il m'étonnerait fortement. Bon, soit on se revoit après, soit on switch, je ne sais pas, on verra au feeling, comme d'habitude. Il est 7h38. Je précise, ça suffit. J'ai une mèche rebelle, là. Force d'attacher mes cheveux, ben, ils ne se mettent plus comme il faut. De toute façon, il faut que j'aille les laver. J'ai mis un bandeau pour pas que vous voyez l'étendue des dégâts. Mais il faut que je les lave tout à l'heure. Donc voilà. Je pense que je ferai des petites tresses pour la prochaine vidéo. Là, je vais. J'ai déjà fait mes soins, comme d'hab. Je vais aller tourner les swatchs pour la vidéo de lundi, normalement, qui sera le swatch and make-up de la palette Mitchell, puisque vous m'avez demandé un swatch and make-up en plus d'une palette 3 looks. Donc je vais vous faire ça parce que je prends du retard, moi, à force d'attendre les frelesses pour rien, puisqu'elles n'arrivent pas. Mon suivi ne bouge absolument pas. Manon les a commandé aussi le même jour les friends, hein, et pareil, son suivi ne bouge pas et Iris non plus. Donc on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on les aura, donc je ne sais pas programmer le jour de tournage ni de publication de ces deux vidéos là. Donc ça m'enquiquine fortement. Ça m'enquiquine surtout pour vous, puisque d'ici à ce que je puisse que je les reçoive et que je puisse tourner la vidéo, ben, il n'y en aura plus en stock. Quoi. Ça m'énerve. Pour l'instant, il y en a encore, mais bon. Voilà quoi. Donc je suis désolée pour celles qui attendent mon avis pour se les acheter. J'espère qu'il y en aura encore quand la vidéo sortira, parce que
Voilà, mais après, il faut compter 15 jours. Hein. J'ai passé commande le 1er avril quand c'est sorti, et le lundi suivant, c'était le lundi de Pâques, donc c'était férié. Donc, depuis le 3, mon colis est... Comment ? Est pris en charge, soi-disant, mais ça bouge pas, quoi, voilà. Donc, on verra bien quand est-ce que je les reçois. Je vais vous montrer mes bouquins, les chevaliers, donc, les héritiers d'Anquilière, juste après. Donc, ils manquent toujours le top 12, hein. Mais voilà. Là, je vais vous montrer, chérie a été changée, donc... le pull et la robe qu'on avait pris pour ma fille pour Pâques, et du coup je lui ai demandé ce qu'elle préférait comme vêtements, et elle est vraiment comme ça, ma reine, elle préfère les pyjamas, donc voilà, chérie lui a changé pour un pyjama, celui-ci rose et gris avec le pantalon tout rose, voilà, très sympa. Du coup on lui a pris du 14 ans, ouais c'est bien ça. Et du coup, il lui a pris ce t-shirt aussi, rose poudré à paillettes. Et comme vous savez que j'adore la paillettasse, je l'ai essayé. Je me suis dit, s'il me va, je regarde et je rentre dedans. Hein. C'est juste qu'il est un peu, enfin, il n'est pas un peu, il est totalement transparent en fait. Mais je l'aime bien. Il est transparent. Et j'adore la couleur, j'adore l'effet scintillant sur le t-shirt. Mais ouais, je rentre dedans quoi. Je rentre dans du 14 ans, les gars. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il faut que j'aille lui redéposer ça. Moi, que mon frère passe dans la semaine. J'ai pas de colis qui arrive chez lui. Donc, il me déposera pas de colis. À moins que ce soit lui qui doive courir pour aller chercher le mien. Si on ne peut pas passer la frontière, je ne sais pas. On me dira quoi les Français. Donc, j'aurais bien. Mais j'aimerais bien qu'elle l'ait cette semaine, quand même. Puisque la semaine prochaine, elle repart chez sa mère. Donc, j'aimerais bien quand même qu'elle ait ses trucs. Donc voilà, voilà. Ah oui, je voulais tester avec vous aussi. Oh, ça m'énerve. Le lifting d'Arcade Sourcière, je voulais partager. J'ai pas retrouvé la vidéo sur Insta. Je voulais partager avec juste un massage. Apparemment, ils arrivaient à relever leur Arcade Sourcière. On va tester. Bon, j'ai pas de miroir, mais on fera comme si. Hein. Alors, elle tirait comme ça sur le truc et elle massait ici. Comme ça. Alors, je sais pas pendant combien de temps faut le faire. Elle faisait comme ça. On voit pas trop de différence, moi. Ou alors, faut faire ça pendant 2 heures. Quand on voit, elle, ça faisait vraiment un truc de fou, quoi. Peut-être prendre le sourcil un peu plus sur le sourcil. Ou alors, je vous dis, il faut masser pendant 2 heures. Mais genre, j'ai pas que ça à faire, quoi. Beau. Ça n'a pas l'air super conclu. On va essayer avec l'autre, ça se verra peut-être un peu plus. On a l'air bien stupide aussi à faire un truc pareil. Ah! Ouais, mais c'est pas... Quand on voit sur la vidéo, ça fait vraiment une grosse différence. Là, on voit juste qu'il est remonté un tout petit peu. Et il rebaisse déjà. Ouais, bon, je trouve pas ça super concluant. Hein. Je sais plus qui c'est qui m'a dit j'ai essayé, ça marche, mais... On va essayer avec 2 doigts. J'ai peut-être les sourcils trop lourds. Bon. Je sais pas si vous voyez une différence, mais moi, je vois pas. Hein. Bon. Je suis pas convaincu. Donc, on va dire que c'est un gros fail. Voilà. Ouais, sinon hier il s'est rien passé. J'ai dormi tout l'après-midi encore. Je dors de plus en plus. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je dors de plus en plus. J'arrive pas à me reposer. Je dors hyper mal la nuit aussi en ce moment. C'est peut-être ça. Parce que j'arrête pas de me réveiller. En même temps, je suis squattée par le chat, le gros qui vient se péter la cuisse dans le lit aussi, plus le mari. Ça fait beaucoup de monde dans le lit, quoi. Oh, mais c'est pas vrai cette mèche là. Donc voilà, je vais ranger le pyjama de la petite et je vais vous montrer mes bouquins. Chérie a pris mes colis Vinted pour les déposer tout à l'heure. J'arrive à la fin du tome 4 de mon livre. Hier, j'ai lu beaucoup encore. J'ai été me coucher tôt, donc j'ai lu moins que d'habitude. Mais j'arrive quand même au tome 4. Au tome 5, je pense que ce soir, je vais certainement entamer le tome 5 ou demain. Alors bien, ça dépend comment je lis aujourd'hui. Là, je vais donc tourner le swatch et le make-up de la
Mitchell. Et comme ça, si jamais les Flawless arrivent avec le facteur vers 10h30, 11h, j'ai encore le temps limite de la tournée. Mais j'ai des gros doutes. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elles vont arriver, ça m'énerve. J'ai 3 commandes Révolution là qui attendent. J'aurais commandé tout d'un coup, hein, comme ça j'aurais eu les frais de port gratuits, mais là j'ai payé 3 fois les frais de port quand même. Hein. Mais bon, après j'ai eu des réductions, hein, la deuxième palette, enfin la Flawless Butterfly, là, je l'ai payé 2,99€, voilà, puisque j'avais 10€ de réduction, mais j'ai dû payer les frais de port, et là j'ai commandé un autre produit à tester, c'est pas une nouveauté, hein, mais il y a une nouveauté qui est sortie dans le même genre que j'avais très envie de tester, je me suis dit, tiens, je vais un peu voir chez Révolution, rapport quantité-prix, tout ça, donc ça on testera, et je me suis pris un baume à lèvres à 6 balles, donc la fille elle est complètement malade, 6 balles pour un baume à lèvres, tout ce qui est plus classique, un transparent, juste parce qu'il y avait une licorne sur le packaging, quoi. Voilà, voilà. Mais je me suis dit qu'il t'a payé les frais de port, autant que je prenne 2 trucs, quoi. Puis j'avais encore 10€ de réduction, donc... Voilà, voilà. Ouais, si je prenais pas un autre truc, j'avais même pas assez, j'avais que 5€ de réduction à la place des disques que j'avais droit. Donc, pour avoir les 10€ de réduction, j'ai rajouté un truc à 6 balles. Bref. Bon, je vais vous montrer mes bouquins, et puis moi j'irai faire ce que j'ai à faire. Il faudrait bien que je nettoie aussi, parce qu'il y a des moumoutes de chiens partout, de nouveau. Mais j'ai tellement pas le moral, là, et pas la forme. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment-là. Je suis un peu flagada. Je sais pas si c'est le manque de sommeil ou trop de sommeil, je sais pas, mais... Puis bon, on approche des 4 ans d'anniversaire de la mort de mon père, de ses 4 ans de décès, donc... Je crois que ça me tue pas mal le moral aussi. Donc voilà, le 25 avril, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. Le 16 mai, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami. Et le 4 juin, c'est l'anniversaire de sa mort. Voilà. Il venait d'avoir 18 ans. C'est pas le titre de la chanson. Il avait fêté ses 18 ans le 16 mai et il est mort le 4 juin. Quoi. Voilà. Et ouais, ça fait autant d'années et je pense encore souvent à lui. Hein. Mais c'était mon meilleur ami, donc c'était un peu compliqué à gérer pour moi. Bref, on va pas parler de ça, c'est pas un sujet très agréable. On a tous ce genre de date en tête. Hein. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous montrer mes petits bouquins. Et puis j'irai vraiment faire ce que j'ai à faire, parce qu'il faut encore que je brosse mes dents, j'ai pas fait. Donc voilà, pour l'instant, je mets les Chevaliers d'Émeraude là-dessus, donc il manque le tome 4 que je suis en train de lire, et les Héritiers d'Enkidu avant tout, donc il manque le tome 12 que j'ai pas encore commandé. Après, quand je commencerai les Antares, les Chevaliers d'Antares, je regrouperai pour les mettre tous à la suite, quoi. Mais je trouve ça tellement satisfaisant qu'ils soient... Et encore, là, derrière, il faut que je bouge, parce que j'ai le gros bouquin de... Comment ça s'appelle ? Du Seigneur des Anneaux, qui fait 1180 pages... Et du coup, comme il est un peu plus long, bah ici, ils ressortent un peu plus que là et là. Vous voyez, ils ne sont pas assez au carré. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer quand même les couvertures parce qu'elles sont aussi belles que les Chevaliers d'Émeraude. Alors, on a le tome 1. Je les rangerai après. Hein. Tome 2. Tome 3. Le 4, le 5, c'est vraiment des magnifiques couvertures. Le 6, je sais pas c'est qui l'illustrateur des couvertures, mais c'est quand même le 7, le 8, je crois que c'est mon préféré. Ouais, le 8, elle est trop belle. À mon avis, ça doit être la fille Kira, ça. Bah non, elle peut pas avoir d'enfant. Je ne sais pas. Avant que j'y sois. Là, on est au 9. Le 10, il est magnifique aussi. Ça donne très envie de faire un make-up. Mm-hmm. Peut-être pour Halloween. À noter. Et donc le 11 que j'ai laissé emballer pour l'instant pour vous montrer, voyez, il est totalement emballé, que j'ai payé 3€ et que les autres veulent pas me le vendre à 5€ alors qu'il est en pas en neuf, quoi. Je vous jure, les gens sur Vinted, il y en a, ils pensent vraiment que c'est pour faire des affaires, quoi. Seconde main veut dire je vends plus cher que au neuf. Bref, donc voilà, je trouve ça très satisfaisant de voir tous ces gros bouquins.
Allez, je vous reprends tout à l'heure, ou pas. Il est 9h21 et je viens de finir de me maquiller pour tourner la vidéo que vous aurez mercredi, qui est la story time du fait de pourquoi je bois pas d'alcool. Je dois vous avouer que j'angoisse un peu à l'idée de tourner cette vidéo. Donc j'espère que je vais m'en sortir dans mes explications et que vous allez comprendre l'intérêt de cette vidéo. Voilà, parce que c'est quelque chose qui... Il n'y a que 3 personnes sur Terre qui le savent jusqu'à maintenant. Donc là, je vais quand même exposer quelque chose qui... que personne ne sait, en fait. Donc voilà, on verra bien. J'angoisse un peu à l'idée de la tournée, mais je pense que ça peut être pas mal pour en tant que prévention. Voilà, on va dire ça comme ça. Bref, donc là... Je vais aller tourner cette vidéo-là, puis faire le montage direct. Hein, vous savez comment je fonctionne, je crois, maintenant. Là, j'attends juste que mes chiens décident à rentrer, parce que forcément, ils ont demandé à sortir juste avant que je monte. Donc, voilà. Sinon, pour le make-up, j'ai utilisé la Tamiy Tropical Twilight. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Voilà, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, en fait. Je crois que la journée de vlog aujourd'hui risque d'être assez courte. J'attends toujours mes colis Révolution. Hier j'ai fait une story parce que vous me demandez, il y en a beaucoup qui me demandent si ça a bougé. Celles qui l'ont commandé, qui ont commandé les Friends, là, me demandent si ma commande a bougé et tout ça. Et ceux qui attendent mon avis pour les commander me demandent quand est-ce que je vais sortir la vidéo. Maintenant, je ne peux pas aller plus vite que la chanson. Donc, j'ai repartagé la story en taguant Révolution. Et ils m'ont tout de suite répondu à ma story en disant qu'il y avait un petit problème chez le livreur, en fait. Donc, cette semaine, ça devrait commencer à bouger. Donc, je ne les aurai pas avant la semaine prochaine, je pense. Ça serait étonnant. Après, je sais que le suivi, ça arrive souvent qu'il bug chez eux. Mais de toute façon, je dois en principe attendre 2 semaines au minimum pour recevoir mes commandes. Parfois 3. Donc, pour l'instant, on est encore dans les temps. J'ai commandé le vendredi 1er. Je crois que c'était le vendredi, plus le lundi de Pâques. Donc, voilà. Je les aurai peut-être demain ou après-demain. Ou alors, ce sera que la semaine prochaine. Mais dès que j'ai les palettes, je vous fais les vidéos. Mais je ne peux pas aller plus vite que la réception. Tant que je ne les ai pas, je peux pas les utiliser. Voilà. Maintenant, j'espère que ça ira un peu plus vite pour la Butterfly. Et on verra bien. Sinon, ouais, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Je réfléchis, hein, parce que j'ai encore la tête dans le sac, moi. Mais non, j'avais rien d'autre à vous dire. Donc là, je vais essayer de faire rentrer mes chiens et aller tourner cette vidéo qui m'angoisse. Je crois que c'est la première fois que j'angoisse de faire une vidéo. C'est bizarre. C'est un sentiment assez bizarre. Mais je pense que j'ai besoin de la faire quand même aussi bien pour moi que pour d'autres personnes. Voilà. Je vais arrêter de parler de ça maintenant. Je vous reprendrai après pour vous dire si j'estime avoir réussi à tourner ce que je veux dire de façon correcte et compréhensive. Ça, c'est pas gagné. Voilà, je risque de m'emmêler un peu les pinceaux, mais on verra bien. Bref, bon, bah écoutez, je vais aller faire rentrer mes chiens, je vais aller faire ça, et puis je vous reprends un petit peu après. Voilà, je viens de tourner cette foutue vidéo. C'est un peu... ça me reste un peu... Je sais pas, je suis un peu paumée avec cette vidéo-là. Bref, j'espère qu'elle sera utile, on verra bien. Sinon, elle va faire une 15aine de minutes, je pense. Là, je viens de regarder, j'ai à peu près 16-17 minutes de rush. J'ai essayé vraiment d'être concise pour pas radoter et répéter 15 fois la même chose, parce que c'est assez compliqué. Voilà, enfin... Vous me donnerez vos impressions mercredi. J'ai hâte d'avoir vos retours, voir si vous comprenez bien le pourquoi de cette vidéo, le message que je veux faire passer à travers cette vidéo. Voilà. Moi, maintenant, je vais aller manger parce que j'ai extra faim. Alors, quand je vous dis extra, c'est extra. Je ne sais même pas ce que je vais manger. Ah si, il me reste la salade de choux. Je pense que je vais manger de la salade de choux et faire... 2-3 tranches de bacon avant que genre je bouffe tout encore, parce que dès qu'il y a du bacon, il n'en laisse pas beaucoup, lui. Il adore ça. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là, je pense pour aujourd'hui, sauf là le facteur vient de déposer quelque chose dans la boîte aux lettres, mais bon, ça sûrement encore des factures. C'est rare qu'il me dépose autre chose. Voilà, voilà. Bon, écoutez, soit je vous reprends tout à l'heure, soit on switch, comme d'habitude. C'est pareil, je vous dis ça à chaque
chaque jour. Mais voilà, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, il est 10h23, j'ai déjà lissé mes cheveux, j'ai fait mon teint, j'attends pour faire mes yeux, voir si jamais le facteur m'amène mes palettes flawless. Il devrait passer incessamment sous peu, il passe en principe entre 10h30 et 11h, ça dépend quel facteur. L'habituel, ouais, c'est vers les heures qu'il passe. Là, il doit m'amener mon colis Shein. Donc, au pire, après, je fais vite mon make-up et je vais vite vous tourner le haul que vous aurez eu, vous, hier. Je pense que je vais le programmer pour samedi. Et voilà. J'ai Lilou qui pète un câble juste à côté. Hier, sur Vinted, j'ai trouvé le premier tome des Chevaliers d'Antarès à 3 euros. Le chien veut rentrer, j'arrive. Donc, du coup, je l'ai déjà pris, puisque ce prix-là, voilà, j'aime autant les prendre dès que je les trouve à ce prix-là. Entre 3 et 5 euros. C'est juste quelqu'un qui passe devant la fenêtre, là, c'est bon. T'as le droit d'aboyer que quand c'est le facteur. En plus, il va déposer des colis, donc tu vas pouvoir inspecter. Un vrai chien policier, sûr. Oui, je vais peut-être recevoir aussi un colis de vie aujourd'hui ou demain, je pense. Elle m'a dit normalement aujourd'hui, donc je le déballerai avec vous. Voilà. Voilà. Si jamais je ne reçois pas mes flawless et que je ne dois pas les tourner en urgence pour aller vite pour vous les partager, je vais refaire le make-up que j'ai fait dans le challenge où je tire les produits au hasard. Pour voir ce qu'il donne une fois qu'il est fait dans l'ordre, quoi, voyez. Voilà, et puis comme ça, après, j'irai filmer ça. Je vais aussi faire deux IGTV que vous aurez eu sûrement sur Insta samedi et dimanche. J'ai envie de m'amuser et faire un petit montage avec mes accessoires cheveux et avec mes chaussettes que j'ai acheté. Voilà. Donc voilà le programme. Le live, du coup, vous l'avez pas eu hier, il est reporté à samedi prochain parce que. Le mois prochain, ça tombait le 1er mai. Et il y a 5 samedis dans le mois de mai. Donc c'était assez chiant. Ça bousillait tout mon planning. Voilà, ça faisait plus le deuxième et le quatrième samedi du mois. Ou je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, j'avais pas envie de le faire le 1er mai. Donc du coup, j'ai décalé celui-ci. Après, de toute façon, vous auriez quand même eu un battement de 3 semaines sans live. Donc voilà. Bref, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Là, il me reste que deux petits paragraphes à lire de mon tome 4 et puis après, je vais attaquer le tome 5 de mes bouquins. Voilà. Et ah oui, je suis en train de regarder les Charmed, puisque il n'y a pas la dernière saison sur Amazon des Esprits Criminels. Donc, il n'y a pas la saison 15. En plus, il n'y avait que 10 épisodes, donc je me suis dit ça va aller relativement vite. Mais elle n'y est pas. C'est marqué que c'est pas dispo dans ma zone géographique. Vive la Belgique. J'ai regardé sur Netflix, ils n'y sont pas non plus. Donc, je sais pas si je vais les regarder en streaming. Je la regarderai quand elle sortira sur Netflix ou sur Amazon. Voilà, pour l'instant, je regarde les Charmed. Je crois que vous savez à quel point j'adore cette série. Oh, vous ne voyez pas bien. Voilà. Et, ben voilà, je vous reprends quand le facteur est passé. Pour vous montrer ce que j'ai reçu. Bon, me revoilà déjà, il est 10h35 et le facteur vient de passer. Alors, j'ai pas eu ma commande Shein, je comprends pas alors qu'elle a été marquée en livraison. Bon, c'est peut-être un autre livreur qui va me l'amener. Par contre, j'ai reçu celle-ci. Chercher l'erreur. J'ai toujours pas reçu mes friends, mais j'ai eu celle-ci. Donc, bah écoutez, moi je vais aller vous la filmer de suite. Comme ça en fait déjà une que vous avez la vidéo. Et donc, je vous la mettrai en bonus ce soir. Mais le packaging est vraiment très beau. Hein. Magnifique, ma chérie. Et les couleurs, ouh, elles sont sympas. Voilà. Donc ben voilà. De toute façon, toutes les vidéos dont je vous parle dans les vlogs, maintenant, je vais vous les mettre en barre d'infos parce que dans le petit i, c'est trop compliqué. Je ne sais plus à quel jour j'en ai parlé et tout ça. Je fais le montage des jours au fur et à mesure. Et j'ai reçu le colis de vie. Donc écoutez. Donc merci ma belle, c'est adorable. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos aussi, évidemment. Oh mais mamie, en plus Sacha. Oh la coquine.
Mais quelle coquille! Elle m'a mis plein de trucs en plus. Alors, il y a déjà un rouge à lèvres de chez Emma qui est le flamboyant flamingo. J'ai jamais testé les produits Emma en plus, ça tombe trop bien. Je vais essayer de l'ouvrir sans m'esquinter une dent, ça serait bien. Est-ce que j'aurais pu déballer tout ça après et d'abord faire la vidéo pour pouvoir attaquer le montage et pas perdre de temps? Peut-être. Oui, il est très beau. Sympa, c'est un petit rose très tendre. Génial. Alors, elle m'a mis des petits échantillons de chez Nuxe. Le Cicaplast Baume Lavant. Un petit baume à lèvres à la noix de coco de chez Yves Rocher. Donc, moi qui adore les baumes à lèvres, ben, c'est top. Encore un rouge à lèvres. Ultimate. Donc, ça, c'était Catrice. Hein, les Sté, ouais. En teinte 150, chocolate. Je sais pas. Je sais pas lire le dernier mot. Oh, c'est un marron. J'adore les marrons. Oui, Ryan, il est en train d'inspecter les... Très jolis. J'aime. Oh, ils sont bons. Ils sont bons. Mon chien qui fait le con. Et les pièces maîtresses, elle a été chez Primark, elle m'avait envoyé une story en disant « Ah, j'ai vu ça !» Et du coup, elle a été me les rechercher. Elle me les a pris pour moi. Donc il y a deux coques pour iPhone. Oh pardon, je cogne. Oh pardon, je fais du bordel. Voilà, donc celle-ci est noire avec un bébé Yoda, enfin un gros goût comme ça. Trop belle. Alors celle-ci, elle est transparente avec des paillettes à l'intérieur. Et elle m'a pris aussi le petit, j'allais dire téton, mais c'est pas vraiment un téton. Et du coup, je vais le mettre sur cette coque-ci. Voilà. Oh, c'est trop génial. Oh, merci, J, c'est adorable. C'est trop mignon. Oh, j'adore. Je vais les mettre, je vais d'abord aller faire ma vidéo, puis après, je les mets sur mon téléphone. Et je vous montrerai, après, tant que mon montage sera en enregistrement, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Donc, merci, J, c'est adorable. Adorable. Je suis super contente. Je vais vite filmer ça et je reviens. Et mon chien est en train de... On sait pas pourquoi. Mais je te fais pas ressortir maintenant. Tu viens de rentrer il y a 3 minutes. 3 minutes. Tu te rends compte? 3. Comme ça, 3. Non, je viens pas t'ouvrir la porte maintenant. Je vais faire ma vidéo. Ouais. Je vais faire ma vidéo. Tu sortiras après. T'es pas content? C'est le même prix. Allez, tantôt. Alors, il est... Oh, vous me voyez pas très bien. Hein. Il est 12h39, donc je vais aller bouffer. J'ai faim. Vous pouvez même pas vous imaginer. Donc là, j'ai fini de tourner la vidéo que vous avez déjà vue, hein, puisque je vous l'ai postée le jour même. Et vous avez vu certainement ma déception sur cette palette. Voilà. Franchement, je vous la conseille pas du tout. Alors, j'ai toujours pas reçu ma commande Shein. Pourtant, elle est toujours marquée en livraison aujourd'hui entre 8 et 17 par Bipost. Mais le facteur est déjà passé. Alors, je sais pas si c'est une autre camionnette qui doit me l'amener, mais du coup, ça me bloque pour ma sieste. Voilà, mamie doit aller faire dodo quand même. Oh. Donc là, on va tester les coques. Voilà. Donc, on va commencer par celle-ci parce que je vais laisser l'autre. Notre petite amie. Donc, je fais du pot. Donc, elles viennent de chez Primark, hein, pour ceux qui veulent ça. Et comme moi, je dois faire 2 heures de route pour un Primark. Tout ça, je n'ai pas chez moi. Donc, J, elle a été super adorable. Et dès qu'elle a vu, hein, elle m'a envoyé tout de suite un message. Regarde. Et puis, après, elle a dit, je te les prends, je te les envoie. Il est trop mignon, mon petit gros goût. Donc le son va être un peu bizarre puisque je dois bouger le téléphone, hein, et que c'est avec ça que j'enregistre le son. Excuserai. On peut vite pour nettoyer un peu la vitre arrière. Mais celle-ci, elle est toute jaune maintenant. Toute chose, toute dégueulasse. Moi, c'est trop chaud. J'adore.
J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, il est trop mignon. Mon frère va comment dire, t'es une tarée avec ton bébé Yoda. Et pour l'autre, je vais mettre l'anneau par-dessus. Oh, oh, si c'est pas trop chaud. Oh, j'adore. J'adore. Oh la vache, elle est énorme. Ah bah oui, vu qu'elle est en double fond. Mais regardez comme c'est large. Mon téléphone, il va me paraître énorme dans ma main. Allez, on met déjà celle-là. Oh la vache, ça fait gros et lourd dans la main. J'en reviens pas. Allez les paillettes, on descend. Et vous allez entendre des bruits chelous. Hein. C'est trop chou. J'adore. Bon, j'ai collé le petit... petit truc dessus, les petits gugus. Oui, je suis une vraie gamine de 5 ans, je sais. Voilà. Hi. Oh, c'est trop bien. Oh, il est trop mignon. J'adore. Par contre, ça fait super épais pour le téléphone. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'adore. Ça va me faire drôle d'avoir un gros bloc comme ça dans les mains maintenant. Ah, voilà, je suis contente. Mamie, elle est contente. Merci encore, Vie, c'est vraiment adorable de ta part. Franchement, ça m'a énormément touchée. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas l'habitude qu'on pense à moi. Hein. Donc, quand on pense à moi, ça me touche. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui, puisque du coup, maintenant, je vais attendre que mon montage s'enregistre, je vais manger. Il faut que je monte les deux journées de vlog. J'ai encore pas fait celle d'hier. Et du coup, je vais attendre de voir si j'ai mon haul Shein. Mais je pense que je le tournerai que demain et que je vous le mettrai pour samedi. Sauf si je reçois demain, par exemple, les Flawless Friends. Alors à ce moment-là, je vous en mets une vendredi. Je décale la vidéo de vendredi à samedi et je vous mettrai l'autre lundi. Puisque le weekly vlog, je ne peux pas le bouger. Donc voilà. Je pense que je vais faire comme ça, on va voir. On va vraiment voir quand est-ce que je les reçois. Là, alors le truc qui tue, je viens de recevoir donc ce matin la Butterfly. J'ai fait la vidéo. Et pendant que j'attaquais mon montage, j'ai reçu un mail pour dire que ma commande de la Butterfly a été expédiée. Genre, je le sais, puisque je l'avais déjà utilisée. Voilà. Mais par contre, les Friends, elles ne bougent pas. Ah, et j'ai une vente vintage à faire aussi. Enfin, à emballer. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là, sauf si par exemple j'ai un livreur qui arrive et qui me dépose tous mes colis d'un coup, mais bon, ça m'étonnerait fortement. Et c'est tout, j'ai un colis qui est arrivé en mondial relais, mais ça c'est pour le concours de Noël. Voilà, c'est tout. Mon mari va aller déposer celui-là demain, donc j'espère que je vais recevoir entre-temps quelques-uns d'autres. Je me suis encore commandé un serre-tête sur Vinted, hein, mais bon, je l'ai payé 1 euro, donc on s'en fout. Mais j'ai pris un avec des petites fleurs bleues, parce que j'avais pas... avec des petites fleurs bleues. Et celui-ci, je l'adore. Il est trop beau. Et il me sert vachement moins la tête maintenant, donc ça va. Je peux le laisser... pas une journée, hein, parce qu'il me ferait quand même mal derrière les oreilles, mais là, je peux le laisser quand même un peu. Bon, là, maintenant, je vais aller... mettre des pinces pour pas que mes cheveux m'emmerdent tant que je mange, parce que j'ai horreur de manger les cheveux détachés. Ça, c'est un truc que je supporte pas. En demi-queue, ça va, mais comme ça, non. Je suis bizarre, je sais. Mais non, je suis dégoûtée. J'ai voulu remettre l'anneau en position et pouf, il a pété net. Mais net de chez net, le bazar. Regardez. Je suis dégoûtée, j'arrive pas à le remettre, j'ai regardé, mais le truc pour tourniqueter, là, il a pété net dans le truc. Bon, après, je m'en fous, j'ai le petit gugus quand même, mais voilà. Je suis dégoûtée, je suis désolée. On voit qu'il a pété net. Bon, au moins, j'ai le petit gugus collé dessus, quoi. Voilà, je suis contente. Je me sers pas trop de ces trucs-là, à part quand je sors. J'en ai un avec un gros plug. J'ai une coque avec un gros plug, mais j'utilise que vraiment si je dois utiliser mon téléphone. Je vais vous reposer, parce que sinon le son il va faire plus bizarre. Quand je dois filmer, par exemple, une soirée ou des trucs comme ça, quoi, pour être sûr de pas
d'avoir moins de risques de faire tomber mon téléphone. Mais à la maison, je n'utilise pas, mais bon. Je suis deck, quoi. Voilà. Bon. Je vais manger. J'ai faim. Il est 9h44, donc là, je viens de mettre décongeler la poulette pour les chiens. J'ai fait mes soins et je vais faire mon teint. Tranquille devant un épisode de Charmed. Voilà, je suis déjà à l'épisode 9 de la saison 1. Mes deux chiens me regardent, un par la fenêtre, l'autre ici devant le poêle. Je me chope des boutons de fièvre ici. Oh, magnifique. Oui, c'est très beau les Roberto. Voilà. Bon, après, ça me fait toujours une lèvre un peu plus dodue. Donc, voilà. Mais bon. Si jamais je ne reçois pas les Friends, je vais réessayer la Butterfly. Bon, de toute façon, je crois que c'est ce que je vais faire. Là, j'attends mon Whole Chin, puisque du coup, il n'est pas venu hier. Mais du coup, ils sont censés me le livrer aujourd'hui, j'espère. Attendez, je revérifie si ça n'a pas rechangé. Non, entre 10h et 21h. Magnifique. Donc, si j'ai pas les Flawless Friends aujourd'hui, hier, vous avez eu le Whole Chin. Si je les ai eus, vous aurez eu une des palettes de Friends, là, en collaboration avec Friends, et l'autre, ça sera lundi. Je regarde, mais normalement, c'est ce que j'ai prévu. Voilà. Sinon, ben, je sais toujours pas quand est-ce que je vais les avoir. J'étais à deux doigts ce matin de refaire encore une commande, mais il faut vraiment que je me calme. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les dépenses. Je voulais prendre la Marie, alors qu'elle m'intéresse pas plus que ça. Question couleur, hein. C'est juste que voilà, je la trouve mignonne parce que c'est Mary des Aristochats. Et les quatre Magic Spell, là, enfin Spell, je sais plus quoi, de chez High Earth Revolution. Ça, je me les prendrai certainement un peu plus tard lors d'une promo en 2 plus 1 gratuit ou des trucs comme ça. Parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup les packagings, donc j'aime beaucoup l'univers puisque ça a à voir avec la magie. Et j'ai hâte de revoir la qualité de chez High Earth. Parce que depuis la Avocado que j'avais beaucoup aimé, que j'ai pas gardé parce que j'ai plein de palettes vertes, j'en ai pas racheté. Et comme la kaléidoscopique de chez Obsession m'a beaucoup surprise. Voilà, donc je sais pas, c'est pas indispensable, j'en ai envie, mais c'est pas indispensable, faut vraiment que j'arrive à me contrôler. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les dépenses, hein. C'est un truc de fou. Si je m'écoutais, là, tout à l'heure, je faisais une commande de presque 100 balles chez Révolution, et c'était que des palettes, quoi. Mais lol, les palettes, j'en ai déjà tellement que je sais plus toutes les utiliser, donc faut vraiment que je me calme. Je sais pas ce que mon chien est en train de fouiner dans l'herbe. Mais il fouine. Voilà. Bref, faut vraiment que je me calme. Donc là, je vais faire mon teint tranquillou bilou. Et voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Là, c'est le dernier jour de vlog déjà. Déjà, c'est déjà le week-end. Lundi, Georges reprend l'école. Youhou ! Je suis ravie. Pas lui, mais moi, oui. Sinon j'ai encore une autre vidéo pour la semaine prochaine à filmer et elle sera bonne. Donc le live c'est samedi prochain, je vous le rappelle, et si tout se passe bien, si je reçois enfin les Friends la semaine prochaine, on se retrouve tous les jours. Donc ça fait quand même que depuis mercredi jusque normalement mercredi, pas qui vient mais celui d'après, vous aurez une vidéo presque tous les jours avec le live. Mais faut voir quand est-ce que je reçois mes commandes de Révolution, quoi. Parce qu'il y a un autre produit que je voudrais vous faire le crash test. Oui, une minute qui va se faire sur plusieurs jours. Donc, voilà. On verra bien. Mais bon, de toute façon, je vous tiens au courant sur Insta, hein, et dans de futures vidéos. Mais normalement, ouais. Jusque après, j'essaierai peut-être bien de placer deux vidéos là et qu'on se retrouve tous les jours jusqu'à la fin du mois. Ça peut être éventuellement faisable. Parce que là, je peux remettre un truc. Mes abonnés choisissent mon make-up. Enfin, un abonné choisit mon make-up. Là, je sais pas trop, mais on peut refaire une palette un make-up. Ouais, c'est faisable. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous plairait qu'on se retrouve en vidéo tous les jours jusqu'au 2 mai. Puisque il y aura le weekly vlog le 2.
Donc ça peut se faire. Voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. Je vais certainement vous mettre un sondage sur Insta ce week-end. Ce week-end, je vais aussi vous mettre, vous aurez déjà eu les sondages pour le Disney Challenge qui est le 28. Donc comme ça, vous pouvez aller choisir nos personnages. DJ ne la fera pas avec nous, donc il y aura moins de risques de doublons de make-up, voilà. Enfin, de personnages. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Là, je vais faire mon teint. Je vais d'abord aller nourrir mes bestioles parce que sinon, ils vont m'emmerder. Et puis, je vous reprends tout à l'heure, de toute façon, au moins pour vous redire au revoir avec une tête potable. Bon, il est 11h51 et le facteur vient de passer. Donc, il m'a juste déposé mon colis Shein. Donc là, je vais me maquiller pour aller vous tourner le haul que vous avez eu, vous, hier, du coup. Donc, je vous ai dit, hein, c'est que des accessoires cheveux et des chaussettes. Voilà. Et puis, il y a cette partie-là qui n'est pas pour moi. Voilà. Donc, je vais, du coup, retester la Butterfly avec vous. Et voilà. Donc là, j'ai déjà mis ma base. Je vais peut-être me rapprocher un peu. Vous voyez un peu mieux, quand même. Bon, la luminosité n'est pas top top. Hein. Et en même temps, je bois mon café. Mais écoutez, on est entre copines. Copains. Donc, j'ai déjà mis ma base. Ce que je voulais faire, c'était utiliser une teinte en tant qu'highlighter. Parce que vu que les lumineux sont super lumineux, en highlighter, ça peut être pas mal. Et j'ai envie de tester le fly. Voilà, dans les teintes un peu bleutées, comme ça. On va voir ce que ça donne. Bah disons qu'on n'aura pas tout perdu avec cette palette, du moins. Bon, vous verrez mieux ça, vous l'avez certainement mieux vu dans le hall. Parce que ici, je vous dis, la luminosité est un peu pourrie. Je vais monter, je vais mettre mon écran à fond pour que vous voyez un peu mieux. Ah, intéressant, moi je dis. Oui. C'est supralumineux. Ouh, ça j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et puis il y en a quelques-unes hein, qui peuvent servir celle-ci aussi. Celle-ci. Ah, puisque après, elles sont, c'est quand même beaucoup des toppers. Donc ça peut être utile. Alors, ça, c'est déjà pas mal, moi je dis. J'ai perdu ma petite éponge pour blender ma base un petit coup. J'en ai pas mis beaucoup, c'est juste pour unifier. Puisque je vais mettre le jumbo de chez Milk. Le jumbo Milk de chez NYX pour mettre du blanc. Pour essayer de voir si les couleurs ressortent plus. Et c'est parti. Il est un peu sec, hein, il est très vieux. Hein. Je crois que je vais bientôt pouvoir le jeter. Donc j'en mets sur toute ma paupière. Et je déborde sur le creux. On blend sur tous les bords. Voilà, on attend un petit peu qu'il sèche, puis on remettra une deuxième couche. Bon, après, pour tout ce qui est pastel, je vous conseille de mettre une base blanche en dessous. Hein. Mais bon, là, moi, normalement, j'en ai pas besoin parce que la base est super claire, donc j'ai pas besoin vraiment de blanc. Mais bon, les mats sont vraiment pas mes préférés, je pense. Mais les lumineux, c'est vrai qu'ils me plaisent bien. Donc, c'est pas perdu. Et comme disait Nymph en commentaire sous ma vidéo, c'est une bonne palette pour les coins internes. Et pour dégrader, comme je vous ai dit, dans le swatch and make-up, quoi. Je vais repasser un petit coup avec l'éponge pour bien la blender, qu'elle soit bien uniforme. Voilà.
Alors, je vais prendre pour poudrer mon arcade sourcilière, ben, toujours la grosse, là, je sais pas comment ce qu'on dit. La grosse. Merde, je vais te faire tomber un pinceau. Donc, pour ça, on l'avait déjà testé, il est très bien. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule et on va attaquer quelle teinte C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de teintes de transition. Celle-ci est pailletée, je voulais la mettre sur ma paupière mobile. J'ai envie de tester le rose, donc on va prendre le Larva, qui est le rose pastel. On va voir s'il donne un peu mieux dans le creux. Ouais. Je crois que la base blanche en dessous, c'est quand même un petit peu mieux. Vous voyez absolument rien, mais je vais vous montrer de plus près après. C'est quand même un peu mieux. Après, c'est peut-être le rose qui est plus pigmenté que le taupe qu'on a utilisé. Enfin, que j'ai utilisé. Il faut que j'arrête de dire on. Hein. Que j'ai utilisé pour le swatch and make-up. Après, j'ai quelqu'un qui m'a dit en commentaire qu'elle l'intéressait bien parce que pour faire des make-up rapides de printemps. C'est, oui, c'est totalement ça, des trucs légers. Hein. Voilà, si vous aimez les trucs légers, je vous ai dit, elle peut vous convenir très bien. Je n'ai pas dit que c'était de la merde non plus, hein. C'est juste que les pastels, c'est peut-être pas leur fort, voilà, elles ne peuvent pas être bon tout. Hein. Mais le rose, ça va. Franchement, bon, il faut y aller plusieurs fois si vous voulez quelque chose d'un peu plus intense. Hein. Mais vous voyez que ça va. On le voit quand même un petit peu. Même assez bien, je veux dire. Alors, ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Donc, je prends le Urban Decay. Hein, et je vais prendre la teinte Flutter, qui est donc une taupe très claire, beige, comme ça, avec des micro-paillettes dedans, pour mettre sur toute ma paupière. Oui, on va faire très soft. Hein. C'est le but de cette palette, hein. C'est vraiment des make-up assez soft. Par contre, paillettes, je les vois pas, mais c'est rare que je vois les paillettes, moi. On va en rajouter après, c'est pas très grave. Il est plus clair que dans le pan, donc vous pouvez même vous en servir pour poudrer votre arcade sourcilière si vous voulez quelques micro paillettes. Ok, je reprends le premier pinceau pour fondre les matières. Alors, je garde le même pinceau et je vais prendre. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on peut pas foncer le coin externe, quoi. Je vais essayer de reprendre la teinte Poupa, donc la violette, enfin la parme là, pastel, pour mettre en coin interne avec un pinceau plat, voir si on le voit un peu mieux. J'aurais dû prendre un crayon coloré pour mettre en muqueuse, mais j'ai pas pensé à le descendre, donc tant pis, ce sera du crayon noir. Ouais, bon, je suis toujours pas convaincue par le lilas, hein. Du moins le rose, il est plus pigmenté que le lilas. Alors, en coin interne, je vais mettre je sais plus lequel j'avais mis la dernière fois. Je vais mettre le Butterfly. Et on mettra l'autre à côté, la Evolve, sur toute la paupière. J'ai utilisé celui-là, je crois. Une Fly. Le Wings est tellement beau. Je sais pas. J'hésite. Alors, je vais quand même essayer de foncer un peu mon ratil. Donc, du coup, je prends la teinte Wonder, hein, puisque c'est la seule qui est assez foncée. Et bon, elle est lumineuse, mais bon, on n'a pas trop le choix. Un petit peu dans le coin externe aussi pour foncer un tout petit peu. Combien ? Doigt, je vais prendre. J'ai encore envie d'utiliser le Wings, c'est vraiment celui qui me plaît le plus. Mais du coup, je vais prendre le Glide. Je
crois que c'est comme ça que ça se dit. Pour mettre sur toute ma paupière, donc j'y vais au doigt. Le fard est super doux. Alors super, super doux. Voilà, je ne sais rien faire de plus de nouveau. Donc ça limite vraiment les possibilités. Mais après, ça reste des jolis make-up pour bah ouais, vraiment pour le printemps, c'est supralumineux. Donc vous n'allez absolument pas bien voir. Mais ouais, c'est quand même assez joli. Question lumière, quoi. On va dire ça comme ça. Bon, du coup, je vais peaufiner. Ah, j'ai mis ça dans la petite trousse. Vous savez, mes mascaras et tout ça, crayons que j'utilise tous les jours. J'ai mis ça dans ma petite trousse que Elise m'a envoyée avec les cotons. Donc, crayon noir au muqueuse supérieure et inférieure. De toute façon, j'en ai pas d'autres. Si, j'ai un vert sapin, mais il n'ira pas. Enfin, j'en ai pas d'autres en bas. Hein. Oh merde, il faut sur la paupière. Bon, on dira qu'on n'a rien vu. Hein. Recourbe cils et mascara, donc toujours le Eyeline de Miracle. Et je prends la brosse du Catrice pour les cils du bas. Je mets pas de liner, je prends envie aujourd'hui. Je peux même pas dire que je vais vous montrer le rendu au soleil, puisque il n'y a pas de soleil. Il fait tout dégueu caca. Et je vais finir avec le guirlain sur les lèvres, comme ça, ça reste très soft. Voilà, aujourd'hui, c'est journée soft. Et voilà. Bah écoutez, je suis moins déçue du rose que du violet, enfin du lilas. Maintenant, je suis quand même pas super convaincue par les mattes de cette palette, mais les lumineux sont canons. Et regardez, même en highlighter, ouais. Franchement, comme disait Nymph, pour le coin interne, et moi je vous conseillerais aussi, si vous aimez les highlighters très naturels, enfin assez hyper lumineux, quoi. Je sais pas comment dire d'autre. Vous voyez comme ça reflète la lumière, mais ça fait super discret, quoi, comparé à ce que moi je mets d'habitude, voir des paillettes et tout. Franchement, ouais. Les fards lumineux, je vous les conseille, les matchs, je vous les conseille pas. Mais voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais peut-être dézoomer un petit peu, que vous me voyez un peu mieux, sans voir le bordel. Voilà, c'est très bien là. Je vais aller tourner mon haul Shein et de toute façon, on se retrouve, je pense, tous les jours jusqu'à la fin du mois. Je viens de vous mettre le sondage sur Insta, donc moi, je saurai quoi demain. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire comme d'habitude, mettre un petit pouce en l'air pour me faire plaisir, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous.